J'ai dehors de la Tchouva. Ouais. Moi, j'ai parlé avec lui. Ouais. Je lui ai dit, mais Makoso dit que tu es plaisantin. Ouais. La réponse de Gédéon n'était pas bien. Gédéon dit que toi, Makoso, tu ne peux pas t'arrêter en face de lui pour dire que vous allez discuter. Tu es trop son petit dans cette histoire-là. Que lui, Gédéon, c'est un homme de Dieu. Toi, tu es vendeur d'illusions. On fait comment? Tu sais, il faut être honnête. Camille Makoso est reconnu pour étant le stratège de la haute marmaille. Gédéon est reconnu comme étant le grand mougousseur de l'église de Côte d'Ivoire. C'est deux choses dans ma vie. Que toi, tu as vu. Aïe! Mais quelqu'un déjà qui te dit, j'ai deux femmes. C'est son choix. Allons doucement. Moi-même, quand tu dis que dans cette église, on peut goûter. Et si tu as goûté que ça ne te plaît pas, tu peux laisser. Donc, la question qu'on doit poser à Tchétou, tu as goûté combien? Tu as donné petit nombre de caresses. C'est la Tchétou. Agodou, que son père spirituel est mon ami, parce que lui, moi et Gédon, on s'est affronté à la Sorbonne. Donc, dis-moi, il n'y a pas qu'il s'est lui et Gédon, coup de tête, les deux étaient à terre. Donc, tu as frappé Gédon. J'ai le moins long, j'ai frappé, je l'ai vanillé.